Dans le cadre du processus électoral au Tchad, une mission de suivi électoral des Nations Unies séjourne au pays de Toumaï, conduite par Akenemi Adegbola, conseiller principal de division de l'assurance électorale des Nations Unies. L'équipe vient ce lundi 25 mars 2024 à la rencontre du Premier ministre Dr. Succès Massra. L'audience qui a lieu en présence du ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération internationale, Mohamed Assouiti Abakar, et de proches collaborateurs du chef du gouvernement est axée sur les différentes étapes du processus électoral au Tchad, un processus qui suit son cours normal avec la publication du calendrier électoral et surtout celle de la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle ce dimanche 24 mars 2024. Le chef de mission salue l'engagement et la bonne volonté du gouvernement à respecter ce processus. Les Nations Unies réaffirment ainsi, par la voix du chef de mission Akenemi Adegbola, leur accompagnement sans faille. Nous sommes en mission au Tchad depuis plus d'une semaine et comme la mission tire vers la fin, Monsieur le Premier ministre a eu l'amabilité de nous recevoir pour qu'on puisse lui faire un peu l'économie de nos contacts et de nos constats au cours de la mission. L'objectif de la mission, c'est de pouvoir mieux cerner les domaines dans lesquels le système des Nations Unies va apporter une assistance au processus électoral. Donc, c'est en identifiant les défis qu'on pourra identifier les domaines d'assistance sur la base des fonds qui sont disponibles. C'est un travail qu'on fait dans tous les pays qui font une requête pour un accompagnement. Donc, ce n'est pas quelque chose que nous avons monté pour le Tchad. Vraiment, c'est à chaque fois que nous recevons une requête, on fait l'exercice de descendre sur le terrain pour identifier les domaines, les axes d'un éventuel accompagnement du système des Nations Unies. Cette rencontre entre l'équipe de la mission de suivi électoral des Nations Unies et le chef du gouvernement Dr. Succès Massra, qui a lieu 24 heures seulement après la publication de la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle du 6 mai par le Conseil constitutionnel, montre à suffisance l'intérêt qu'accordent les Nations Unies à suivre de près la conduite et la gestion de la phase de transition jusqu'à l'organisation des élections générales, dont la présidentielle du 6 mai 2024.